Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. On va partir dans les airs. Et du coup, on se retrouve où ? Chez iFly. Et du coup, aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin. Vous avez vu cette aventure de l'extrême? Je suis malade. Il sort du vaccin hier, il est pas bien, il est tout cassé. Il m'a dit mais si, t'inquiète pas, etc. C'est parti, on s'envole dans les airs. Quentin, étant malade, j'ai un truc à t'annoncer en plus. Là, tu vois, ça c'est le mode normal. Je le remonte juste ici, c'est le mode normal. Nous, j'ai pris le mode. Bon, on va t'entendre. Non. C'est... Apparemment, il y a un truc au-dessus. C'est vomi, c'est la meilleure vidéo du monde. T'es prêt? Après le vaccin, lui, il va clapser, c'est sûr. Oh là là, si tu vomis, je rigole. Je regarde vite. Oh, regarde, je vais mourir. Attends, il est daté. Ah, jour de son anniversaire. En vrai, c'est pas facile. Hein. Oh, c'est pas facile du tout. Hein. Ouais. Ah, léger, comment ils vont me mettre dans la dent. T'arrives, tu t'éclates de dos. Mais c'est une expérience à faire, allez-y. Hein. iFly, Saint-Priest à Lyon. Il y en a aussi à Paris. Ouais, c'est super cool. Moi, j'étais malade. Bien joué, Quentin. C'était bien. Ouais, c'était cool. Super cool. Oh là là. J'ai été une merguez. C'est déjà réglé aussi. La merguez. Qu'est-ce qu'ils veulent. Wouah, les gars. J'ai pas vomi. Il a pas vomi. Ah, c'était pète sa mère, les gars. T'es malade, mais j'ai pas vomi. Personne a vomi, tout le monde a géré. Alors attends, petite anecdote peut-être. Il y avait un joueur de foot ultra célèbre qu'on ne connaît pas, nous. Ça vous dit quelque chose? Fournier, à l'OL. Ça se trouve, il y avait ce mec avec nous. Et nous, on ne connaissait pas. Apparemment, c'est un joueur de foot, etc. Parce qu'ils ont dit il est où le joueur de foot, etc. Au début, on a pris ça pour une blague. Le mec, je peux te garantir que ça se voit, il avait du bail. Alors du coup, dis-moi ce que t'as pensé. Et même sa voiture, je vais pas la montrer, mais c'est une RS3 machin. Hein? Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? J'ai pensé que c'était vachement bien. Bah alors du coup, je me mets face au truc. Ce machin là, et bah c'est de la balle. Ce truc, c'est trop bien. Je l'ai jamais fait, j'étais pas bien. Je croyais que j'allais vomir. Mais franchement, c'est trop bien. Genre, par contre, c'est super dur de gérer tes pieds. J'avais l'impression, en plus, j'avais mal de partout. Donc j'arrivais pas à gainer mes jambes. Mais en vrai, le moindre petit mouvement, genre, c'était l'impression que tu vas partir dans la vie. C'était trop bien. En vrai, c'est... Allez-y, genre, c'est trop cool. À moi, pareil, c'est la première fois que j'en faisais. On me l'a offert, merci à la personne. Je vais pas la citer, mais voilà, ça peut juste Valérie. Et con quoi. Mais merci à toi de m'avoir offert ce cadeau pour mon anniversaire. C'était super. Et du coup, juste les gars, quand vous y allez, vous allez avoir mal au dos. Que vous êtes cambré comme ça, ça fait mal. Mais c'est trop bien. Mais après, prenez le truc, la Fly-Up. Ça coûte 7,90€, mais prenez-le, ça vaut le coup. J'espère qu'on a des belles images, etc. Venez les voir. Hein. iFly à Lyon, à Saint-Priest, Bron à peu près. Ouais. Et en tout cas, les gars, nous, on a passé un super moment. J'espère que vous aussi. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Donc voilà, explosez la barre des likes, les abonnements, etc. Partagez. On a encore d'autres projets avec Quentin et les autres. C'est pas n'importe quel jour. Et aujourd'hui, on est le 5 août. Et le 5 août, c'est son anniversaire. Et on a passé un bon moment ensemble. On a passé un bon moment. Mais tiens, je suis un bon McDo. C'était super bien, on a trop rigolé. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. On sait pas à cette heure, hein, quand on fait la vidéo, on ne sait pas du tout quand c'est que la vidéo déjà sort. Alors qu'est-ce qu'il y aura la semaine d'après? J'en sais rien. Mais là, je vous dis à bientôt, les gars. Et chose, les gars.